Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous présente un gros nid de frelons asiatiques dans cette cabane au beau milieu des bois. Et on va aller le récupérer. Et sans pesticides. Alors pour cela, ce dont on a besoin, c'est d'un récipient sécurisé pour transporter le nid ensuite. Donc par exemple, ce gros seau. Donc on enclenche le nid dans le seau, un petit mouvement pour décrocher le nid, et voilà, c'est chaussette. Rapide! Bon, maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de récupérer toutes les ouvrières de la colonie qui volent à l'endroit où était le nid initialement. Alors pour cela, on peut utiliser un filet de capture, comme je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Et quand l'espace est assez restreint, comme dans la cabane, et que c'est difficile de manipuler un filet, eh bien on peut utiliser un piège bouteille, tout bête, pour capturer les frelons, ce qu'ils sont en train de faire là à l'heure actuelle, et d'attraper les frelons soit en vol dans la zone, soit alors qu'ils se sont posés à l'endroit où était le nid. Bon, c'est vrai, c'est un peu long parfois, mais ça se fait finalement. Bon allez, c'est vrai que quand la colonie est relativement importante, il y a du monde qui vole à l'endroit où était localisé le nid, c'est vrai qu'avec le piège bouteille, ça prend du temps. Et un filet de capture, c'est sacrément plus utile. Mais parfois, ben, on n'a pas trop le choix. Mais ça marche. Regardez la preuve. Il y a quelques ouvrières déjà dans la bouteille. Et on peut toutes les capturer ainsi.